Moi, ce que je disais, on était en conférence avec les différents owners des équipes et Riot. Il y avait quelques discussions sur, on va dire, l'effet négatif de la communauté cassée à la LEC. Et moi, j'ai pris la parole pour dire que je considérais que c'était très injuste. Moi, je suis au studio de la LEC depuis la création de la LEC, parce que j'étais Riot avant et maintenant je suis côté équipe. C'était mort. C'était un studio, quoi. Bah, bonjour Alban, merci de ton temps pour MGG. Déjà pour commencer, j'aimerais savoir un peu c'est quoi ton rapport par rapport aux médias. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques interviews de toi sur internet, pas forcément beaucoup en français. La dernière, je crois que c'était il y a 6 mois avec Vacarme. Donc toi, est-ce que tu aimes bien être devant le feu des projecteurs ou pas du tout? J'ai pas de problème avec ça. Après, on a une vision chez G2 où on a un collectif diversifié et international. On a plein de super joueurs, super talents. Et c'est vrai que ma vision de mon rôle, c'est plutôt de les mettre en avant, plutôt que de moi me mettre en avant moi-même. Et c'est peut-être aussi une différence par rapport à ce qu'on faisait avant. On a voulu se marquer un peu le changement d'air pour G2. Et c'est pour ça que c'est vrai que tu me verras souvent à côté des scènes, parfois derrière, mais rarement sur la scène. Parce que je considère que la place pour les spotlights, c'est pour les joueurs, c'est pour les créateurs, c'est pour les managers qui s'entraînent, qui se battent pour G2, qui portent le maillot. Et je préfère que ce soit eux qui prennent la lumière. Et c'est vrai qu'en parlant de talent, bah, je ne vais pas t'apprendre ça à toi, mais c'est vrai que G2 marche très bien en Europe. Ça marchait avant ton arrivée, mais ça marche encore mieux depuis que tu es arrivé, je pense. Comment est-ce que tu juges un peu l'année sportive de G2? Il y a quand même 4 titres en LEC, il y a eu plusieurs titres sur CS, un des UEM, un titre de vice-champion du monde aussi sur Rocket League. Du coup, tu donnerais quelle note à G2 cette année? Ah, c'est difficile parce que d'un côté, on est à 21 trophées là, depuis le 1er janvier. Je pense que la moyenne d'une organisation internationale qui a des succès, ça doit être entre 5 et 6. Avec 21, on ne peut pas être déçu. C'est notre record historique en 10 ans. Le record historique il y a 2 ans, c'était 8. La dernière, on a fait 12. Et là, on est à 21. Donc, c'est une bonne année en volume. Il me manque la grande victoire. Pour rendre cette année exceptionnelle, c'est vrai qu'il me manque une victoire aux Champions en Valorant où on est allé. Mais on n'est pas allé au bout. Il me manque une victoire aux Worlds, même si c'est l'Everest pour nous. Et puis c'est vrai que le Major pour Counter-Strike, ça reste notre objectif absolu. Donc je dirais satisfaisant, mais pas très satisfaisant. C'est vrai que dans l'histoire, on veut toujours plus. Je pense que c'est un peu une sorte de maladie chez nous. Mais du coup, c'est quoi un peu, on va dire, les travaux ou les priorités pour l'année prochaine? Est-ce qu'il y a déjà peut-être une scène en particulier sur laquelle vous allez faire plus d'efforts? L'année prochaine, c'est une année très importante pour nous, ça va être les 10 ans de G2. Donc on prépare quelques surprises pour nos fans. Regarder en arrière, célébrer aujourd'hui, puis regarder demain. Donc on prépare quelque chose d'assez spectaculaire et je ne peux pas trop en parler. Ça fait partie de l'histoire, de le teaser, mais pas tout montrer. Mais on prépare des choses intéressantes. Après, sur la partie sportive, je pense qu'on est G2, quoi. G2, on vient pas là pour participer, quoi. On est dans des scènes quand on pense qu'on a une chance de contester les plus gros trophées. On peut abandonner des jeux si on pense qu'il n'y a pas la place, si c'est pas rentable d'être compétiteur au plus haut niveau. Et puis on peut entrer des nouvelles scènes, des nouvelles régions, comme on l'a fait ces dernières années aux États-Unis, en Asie. On s'interdit rien. On étudie en permanence, en discussion avec les éditeurs, avec les organisateurs. Quelle place on pourrait jouer dans ces écosystèmes. C'est vrai que nous, on a la chance de ne pas être français, pas espagnol ou américain ou chinois. On est un peu tout ça. Alors, en Europe, on est très populaire, mais aujourd'hui, je pense que si on regarde en réseaux sociaux, on doit être numéro 1 ou numéro 2 aux US. Et en Chine, on est numéro 5. On a cette capacité de se projeter au-delà de nos fondations et de rencontrer des fans sur différents jeux, différents pays. Et je pense que ça va être encore le cas avec des idées qu'on a, qu'on explore en permanence. L'année dernière, on avait 3 grosses idées. C'était Dota 2, Call of Duty et Valorant. Honnêtement, si on m'avait demandé en juillet, je pense qu'on va en faire une. On a fini par faire les 3. Donc je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'on va finir l'année prochaine. Bon, on explore des beaux projets et je pense qu'on va surprendre encore pas mal de public avec ce qu'on va annoncer. Donc là, évidemment, il y a pas mal de sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir. Mais avant de parler un peu de quantité, j'avais envie de parler aussi de qualité, parce que je parle beaucoup avec des fois avec Romain ou avec Isma de la part de chez G2.
avec vraiment un accompagnement sur le mental, sur la préparation, on va dire, de la performance. Est-ce que tu pourrais me dire un peu si cette vision va être, on va dire, un peu partout, c'est toujours dans tout le cas, dans toutes les disciplines de G2, et c'est quoi un peu, on va dire, le nombre de personnes engagées dans la performance pure sur les sports chez G2? On a trois personnes à plein temps dédiées à la performance sur nos trois rosters majeurs, Valorant, Counter-Strike et League of Legends. Donc c'est aujourd'hui où est-ce qu'on se situe. C'est une vision qu'on a qui s'applique à tous les rosters. Et après, c'est un problème de ressources et comment on peut les allouer entre les différentes priorités. Je crois qu'on développe deux choses à l'heure actuelle. Le fait que c'est coach de la performance qui sont plutôt des très seniors. On avait le choix entre prendre des juniors pour tout le monde, trois seniors pour les rosters les plus importants, on a fait ce choix-là, d'aller plutôt vers l'élite, mais pas pouvoir se le faire pour tout le monde. Donc la prochaine étape, c'est d'identifier des moments de la saison où ces managers de la performance très seniors vont pouvoir ponctuellement impacter le développement de la performance des autres rosters, par exemple kick-off de saison ou tournoi important. Et la deuxième chose, c'est développer le partage de connaissances entre les différents rosters. Évidemment, on n'a pas que des joueurs qui sont sur les mêmes jeux. On a deux équipes Valorant, deux équipes CS, deux équipes League. Mais on a plein d'autres jeux qui ne sont pas partagés entre les rosters. Donc on ne parle pas que du jeu. On parle surtout du reste. Le reste, c'est ce que j'appelle moi la performance, c'est-à-dire comment on peut influencer la nutrition, les habitudes de sommeil, comment on peut introduire la méditation, la respiration, tout ce qui va permettre d'élever la présence d'un joueur à son plus haut niveau de performance. Et découvrir qu'est-ce qui va être le meilleur levier pour chaque joueur. C'est très individualisé. Et donc, en fait, on découvre qu'il y a beaucoup de thématiques sur la gestion de l'entourage, sur la gestion du stress, sur la communication entre les joueurs, sur la préparation des compétitions, sur l'alignement stratégique, qui sont en fait qui n'ont rien à voir avec les jeux. Donc, on essaie de développer l'échange entre les rosters avec un Romain qui va parler à Mike de Valorant pendant 2 heures d'un sujet en particulier, une fois par mois, pour essayer de découvrir comment Dylan peut échanger avec Mike de Valorant sur la gestion des patchs. À quel rythme on s'entraîne sur les nouveaux chasans, les nouveaux champions. Ça n'a rien à voir avec le jeu, c'est vraiment de la science du coaching sur quel est le bon rapport. On a deux blocs de 5 games par jour sur League, à peu près l'équivalent sur Valorant. C'est quoi le bon équilibre entre l'entraînement sur le patch actuel, l'entraînement sur les patchs futurs et les champions de confort. Et cet équilibre-là, avec une équipe de 5 joueurs sur 10 slots par jour de scrim, je trouve qu'il y a des échanges vachement intéressants à faire entre deux coachs qui ne partagent pas le même jeu, mais clairement les mêmes problématiques de management. C'est vrai que quand on parle de G2, pour moi, je pense directement à performance, aussi santé mentale et on va dire bien-être des joueurs. Toi, c'est quoi un peu les valeurs que tu as envie de présenter pour G2 à l'international? Nous, on a trois choses importantes pour nous. Un, le sport. Pas le sport, juste le sens de gagner, le sens de rentrer dans la compétition. En anglais, on dit good sports. Gagner, c'est que la conséquence du reste. En revanche, perdre, ça fait partie de l'expérience. Donc, chez G2, on gagne, on apprend. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la dimension humaine. C'est pas uniquement la manière dont on traite les gens, la manière dont on s'exprime, la manière dont on réagit par rapport à une souffrance de perdre les Worlds en group stage. On souhaite que G2, comme organisation, se comporte comme des êtres humains, avec les bons et les mauvais côtés, mais toujours en réfléchissant, pas comme une entité neutre, comme une marque, mais comme une organisation vivante, avec des gens qui, au travers des social media, du contenu, des dirigeants, des joueurs, n'ont pas peur d'exprimer leurs émotions. La troisième chose, c'est le spectacle. Chez nous, on appelle ça le fireworks, feu d'artifice. Si on fait des choses, on veut que ça détonne. Si on va faire un bunter contre Sentinels, on va louer un avion, on va faire voler Funk Sentinels dans Berlin. Si on va rentrer dans les Worlds en group stage à Berlin, on va foutre des affiches de partout en coréen, en chinois, en anglais. On va bunter toutes les équipes en face de leur hôtel. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est quoi qu'on fasse, on passe pas inaperçu. Donc pour finir sur le sportif, juste... Pourtant, il y a beaucoup de succès, mais aussi peut-être un point un peu plus noir, c'est par rapport aux Worlds. Est-ce que sur l'année, c'est peut-être là, vers le point noir, la non-qualification de l'équipe League of Legends pour les quarts de finale? Je sais pas si c'est la plus grosse déception, parce que quand on perd en demi-finale du Major de CS, un match qu'on pense pouvoir gagner et qu'à la fin, ils gagnent la finale, on se dit qu'on n'était pas loin, quoi.
Donc il y a eu une série de déceptions. La finale des Worlds, de Rocket League, je pense qu'elle était à quelques doigts de nous, quoi. Donc il y a eu beaucoup de déceptions. Je pense que ça fait partie du sportif, quoi. Si on n'est pas déçu, il faut qu'on arrête de la compétition. Je vais dire, personnellement, moi, j'ai vraiment la larme à l'œil quand on perd ce match de poule, parce que c'est une équipe avec qui on a été pendant 2 ans. Ils sont avec nous à Berlin, on les voit quasiment tous les jours. On sait combien ils se donnent à l'entraînement pour, pas pour gagner l'LEC, mais pour justement pour ces moments-là. Et quelque part en moi, je savais que après ce match-là, c'était un peu la fin d'un cycle. Il va y avoir des changements, c'est pas public, mais c'est au moins c'est moins leaké par Wulu et les autres. Et c'est vrai que c'était la fin d'un cycle, donc moi, ça m'a rendu personnellement assez triste. Et dans l'e-sport, le sport est très important, donc on a quand même pas mal développé de différentes scènes de GDV Sport. Mais j'aimerais aussi parler un peu du côté financier, par rapport à la stabilité. Donc, c'est que. C'est du sport aussi, hein. Ouais, que l'écosystème est un peu, on va dire, en difficulté. Il y a certaines structures qui sont quasiment en train de fermer, qui ferment des sections. Alors que vous, je sais que, notamment, on a parlé de Chip eSport, qui avait fait un rapport sur vous, sur la section de League of Legends, comme quoi vous étiez quasiment à l'équilibre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux confirmer? Est-ce que c'est un équilibre qui concerne toutes les sections de G2 eSport? Alors, pour les gens qui parlent allemand ou anglais, il y a un registre du commerce à Berlin qui publie tous les ans nos chiffres. Alors, tout le monde ne prend pas le temps de le faire, hein, mais c'est disponible. Il y a une spécificité qui a été un peu discutée, c'est qu'on a 2 entités juridiques qui ne sont pas consolidées. Donc quand les gens prennent un chiffre et l'autre et ne les additionnent pas et ne les fusionnent pas, ça donne des analyses un peu différentes de la réalité. Ça, c'est juste pour le contexte. Nous, sur les 4 dernières années, on était rentable 3 fois. Donc, à la question, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Maintenant, l'objectif de G2 et de nos actionnaires, c'est pas d'être rentable. C'est de grandir, c'est de gagner, c'est de créer de l'engagement pour nos fans et si possible, de le faire de manière le plus rentable possible. Parce qu'ils ont une vision très long terme. Nous, on n'est pas soutenus par des venture capitalistes ou des gens qui investissent à court terme. On n'a que des familles avec des actionnaires personnels. On a le propriétaire des Brooklyn Nets, on a le propriétaire de McLaren, on a le propriétaire des Minnesota Vikings, des gens qui croient au sport, qui aiment le sport et qui voient dans G2 le sport du futur et l'équipe du futur et donc qui nous ont permis de créer cette équipe et qui nous accompagnent dans notre développement. Je pense qu'on est bien placé aujourd'hui au niveau mondial dans cette compétition d'organisation. Je pense que surtout on est bien préparé pour le futur en construisant dans plusieurs jeux, dans plusieurs régions, avec une marque unique. Qui fait que nos partenaires, que ce soit les éditeurs ou les marques, nous soutiennent, acceptent notre partenariat, financent notre association et nous permettent de trouver l'équilibre. Ce qui est clair, c'est que quand on investit dans Valorant, quand on investit dans Call of Duty pour grandir aux États-Unis, quand on investit dans Dota 2 en Chine, c'est pas rentable du jour au lendemain. Mais on a d'autres jeux, Counter-Strike, Rainbow Six, qui sont plutôt très positifs. Et donc du coup, on cherche à trouver en permanence un équilibre, une sorte de portefeuille avec des plus, des moins, des choses qui grandissent, des choses qui sont stables. Et nous, c'est ça qu'on essaie de maîtriser. Ce qui fait qu'on peut arrêter des rosters. On vient d'en faire récemment, on arrête des rosters. Si on pense que à court terme, ça va être difficile de gagner, si à court terme, ça va être difficile d'être rentable, et surtout si à long terme, ça va être difficile de grandir. Et donc, c'est des critères assez simples d'analyse qu'on fait tous les ans pour tous les rosters, ceux dans lesquels on est déjà, surtout ceux dans lesquels on pourrait aller, en se disant est-ce que c'est le bon moment d'y aller? Et si on y va, où est-ce qu'on va? Parce que nous, on ne veut pas aller dans une région mineure. Si on est sur League of Legends en Europe, c'est parce qu'on a préféré le faire en Europe qu'aux US. Si on est sur Valorant aux US, c'est parce qu'on a préféré le faire aux US qu'en Europe. Et quand on a fait Dota 2 en Chine, c'est avec une certaine vision de comment ça pourrait compléter notre mosaïque, culture de joueurs, de talents, et aussi de servir nos fans. Parce que nous, on a des fans partout. Le plus gros pays de fans de G2, c'est les États-Unis. Je pense que personne s'y attend, mais c'est ça. Et donc, du coup, on essaie de réfléchir comment on peut servir nos fans en leur proposant des rosters un peu partout, toujours à un niveau super compétitif, qui deviennent un peu leur héros locaux dans chacune des régions. Tu as mentionné CS, qui est quand même un sport important, enfin un sport. Un sport important pour G2 eSport. Ouais, pas que pour nous. Ouais. Et il y a quand même une grande nouveauté l'année prochaine, ouais. Avec le format, le circuit qui change beaucoup, ouais. La restructuration. Je pense que la communauté est plutôt contente, avec peut-être plus de chances pour on va dire des belles histoires qui partent du bas.
Mais en tant que CEO, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? On verra l'année prochaine s'ils avaient raison d'être contents et si l'écosystème va délivrer sur cette promesse qui est plus d'ouverture pour les petits clubs. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que l'écosystème était très bien équilibré, avec d'un côté des clubs majeurs qui sont sécurisés, ils ont un business à l'année avec des gros tournois qui permet d'investir dans le staff, les performance coach, les rosters, les stars et qui permet de créer le divertissement. Puis de l'autre côté, on avait deux tournois majeurs qui étaient plutôt ouverts avec pas mal d'opportunités pour des clubs mineurs de jouer des parcours à la Cendrillon et de battre sur un match, sur un tournoi, les plus grosses équipes. Cet équilibre-là, on l'aura plus l'année prochaine. D'un côté, il va y avoir quand même une prime aux grosses équipes qui ont beaucoup de points pour être qualifiées pour les gros tournois, donc on garde ça. Mais d'un côté, ils ont fermé la porte sur les majors avec moins de place pour les petites équipes. Donc moi, je considère que c'est pas forcément beaucoup mieux, mais par contre, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues. Et donc du coup, je sais pas si on pourra un jour retourner en arrière, parce que ce qui a été cassé est cassé, mais on va faire comme on fait d'habitude chez G2. On va étudier, on va essayer de réfléchir comment on peut maximiser nos chances de participer au tournoi, de contester les victoires et quoi qu'il arrive, de divertir nos fans parce que un coup on gagne comme avec Blast, un coup on est terrible comme à Rio, mais quoi qu'il arrive, les gens nous regardent parce qu'il se passe toujours quelque chose pour G2. Et forcément, nous on aime bien comparer un peu les éditeurs pour voir un peu leur système, on va dire, pour monétiser et aider les équipes. Sur Valorant, il y a eu des forfaits avec notamment tout ce qui était emote ou des bundles. Donc, est-ce que le système Valorant est, on va dire, peut-être plus rentable que League of Legends ou que CS, ou c'est kiff-kiff? Valorant aujourd'hui, c'est très intéressant sur la partie cosmétique. C'est aussi très intéressant pour voir le nombre d'équipes. Il y a un nombre limité de 44 équipes au niveau mondial. Tu compares ça à CS, quand tu compares ça à League, il y a beaucoup plus d'équipes. Même s'il y a beaucoup plus d'argent de la part de l'éditeur, parce que League of Legends, Riot met beaucoup plus d'argent dans League of Legends que dans Valorant, comme il y a beaucoup d'équipes, au niveau d'une équipe, ça fait beaucoup moins. Ça, c'est un souci. Moi, je pense que c'est pour ça que j'applaudis la décision de Riot de réduire la taille de l'écosystème, parce que moins il y aura de ligues, moins il y aura d'équipes, plus de chances les équipes auront de rester, de devenir rentables et de profiter de l'écosystème. CS, c'est très particulier. Si tu es tout en haut, on est, je crois, deuxième au niveau mondial aujourd'hui. Si tu as une marque très attractive avec beaucoup de sponsors, tu es très bien placé et ça te permet d'avoir des super joueurs qui te permettent de gagner. Enfin, tu as un cercle vertueux. Si tu es de l'autre côté, c'est-à-dire que tu commences à pas gagner, tu commences à pas avoir des joueurs qui sont attractifs pour les partenaires, les fans, c'est difficile de revenir. Donc, c'est intransigeant. Il y a des bons côtés, mais il faut être en haut. Et quand je vois des grandes organisations comme K-Corp, comme même des marques américaines qui rentrent pas dans CS, ça prouve bien que c'est un petit club fermé d'équipes qui profitent bien de CS et qui ont la performance pour donner plus aux fans. C'est difficile de rentrer. Et dans cette recherche de revenus, il y avait aussi un peu une sorte de fantasme autour de l'EWC avec des gros cash prizes. Ça, pour un club, est-ce que c'était une source de revenus qui était vraiment intéressante? Est-ce qu'il y a un fini top 9 à la compétition? Ou c'est plus un fantasme de la part des fans et que c'est pas vraiment, c'est juste un détail dans la vie d'un club? C'est jamais un détail quand il y a un tournoi en plus. Nous, on crée une équipe qui a un coût fixe. Les salaires, les coachs, tout comme ça. Plus il y a de tournois avec le même coût, parce qu'on paye pas les joueurs par match joué, hein, on les paye à l'année. Donc les coûts restent et les revenus augmentent. Donc, nous, forcément, c'est positif s'il y a une compétition supplémentaire. Si la compétition a des prize money importants, c'est surtout bien pour les joueurs, parce qu'une grosse partie des prize money vont surtout sur les joueurs. Si la compétition intègre la dimension organisation, comme ils l'ont fait avec le ranking, avec des revenus qui vont directement à l'organisation. Forcément, c'est positif. Mais c'est une compétition qui est dure, hein. Il y a 21 jeux. Nous, on y allait avec 6 équipes, donc on est venu avec un. On a joué la qualité plutôt que le volume, hein, par rapport à d'autres qui ont fait d'autres choses. Et si on gagne un match de plus sur Rocket League, contre BDS, non, contre Falcons, et qu'on va en finale, avec les points qu'on aurait marqués de ce match en plus, on terminait 3e du ranking au lieu de 9e. C'est à peu près 1,5 million de différence pour l'organisation. Donc ça reste du sport. Gagner, c'est mieux. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai bien aimé dans l'eSports World Cup, c'est un tournoi majeur en plus pour des jeux qu'on n'a pas forcément. Rocket League, Rainbow Six, des choses comme ça. League et CS, c'est bien, mais les plus petits jeux, c'est encore mieux.
parce qu'il n'y a pas assez de tournois pour eux. Des grosses équipes, des gros cash prize, donc l'énergie pour nos joueurs, et la possibilité de représenter G2 auprès de fans de la région. Parce que tout le monde parle que des cash prize, du tournoi, des machins. Moi, je vois surtout les fans. On a une région du Moyen-Orient qui est la région qui grandit le plus vite au monde aujourd'hui en termes de joueurs de jeux vidéo. Donc c'est vrai que pour nous, pouvoir jouer sur cette scène, prendre en contact avec eux, organiser des meet and greet, organiser des interactions, c'est aussi, on l'a vu dans nos stats, un boost pour notre connexion avec les fans. Et du coup, t'as pas peut-être un regret de ne pas avoir fait peut-être plus de rosters, quitte à faire des trucs one-shot, comme certains teams l'ont fait? Aucun regret. Parce que moi, j'ai la chance de rencontrer les joueurs. J'aime beaucoup essayer de sentir leur motivation, leur personnalité, comment dans l'équipe les joueurs vont connecter entre eux. Mais j'ai un problème, c'est le jour où on détruit un roster, si on décide d'arrêter un roster, c'est aussi moi qui leur parle. Je les appelle un par un et je leur dis pourquoi on le fait. Et c'est une manière pour moi de prendre la responsabilité vis-à-vis d'eux, de briser le rêve. Et donc c'est vrai que les organisations qui ont fait le choix de signer 10 équipes pour 3 mois, et au bout de 3 mois, gagné ou perdu, ils ont arrêté l'équipe, moi j'aurais pas eu le cœur, j'aurais pas aimé le faire. Parce que si on rentre comme une promesse pour les joueurs, comme une promesse pour les fans, qu'on va rentrer dans ce jeu-là, on va essayer de faire quelque chose à la G2, c'est-à-dire gagner et divertir, et ça se fait pas en 3 mois, quoi. Donc si on a perdu des points et qu'on a perdu un peu d'argent, je pense qu'on est quand même fidèle aux nos valeurs. Et tu as aussi mentionné la Carmine Corp rapidement, qui est quand même un modèle un peu unique, avec qui ont eu des arènes il y a pas longtemps, qui ont une grosse communauté avec beaucoup de merch. Est-ce que ça te donne des idées, toi aussi, de faire un peu pareil avec G2? Impossible. Casser, c'est pas un modèle, c'est un cas unique. Et c'est extraordinaire ce qu'ils font. Je pense pas qu'on peut reproduire Kamel. Kamel, ça se copie pas, quoi. Son humilité, sa passion, sa connexion avec ses fans, c'est un cas unique. Et donc, je pense que l'organisation est à son image. Et je pense que les fans le ressentent. Et c'est un plaisir de les avoir dans les ligues avec nous. Moi, je sais qu'on échange pas mal avec Arthur sur pas des projets en commun parce que c'est difficile de construire à deux équipes, mais sur comment faire évoluer la ligue. Et nous, moi, ce que je disais, on était en conférence avec les différents owners des équipes et Riot. Il y avait quelques discussions sur, on va dire, l'effet négatif de la communauté cassée à la LEC. Et moi, j'ai pris la parole pour dire que je considérais que c'était très injuste. Moi, je suis au studio de la LEC depuis la création de la LEC, parce que j'étais Riot avant et maintenant je suis côté équipe. C'était mort. C'était un studio, quoi. Et depuis qu'on a eu la KC qui a rentré dans la ligue, ça a stimulé tous les autres fans, y compris les nôtres, pour réfléchir à leur manière de supporter leur équipe, comment vivre leur passion d'être un fan. Et ça a été le jour et la nuit par rapport à cette expérience d'être au studio et nos joueurs nous le disent. Maintenant, on a l'impression d'entrer dans une arène, quoi. Alors qu'avant, on allait au studio de télévision, quoi, avec des spectateurs qui étaient assis, qui regardaient. Donc moi, je vois beaucoup d'effets positifs. Je suis ravi de tout ce qu'ils font. On a même des occasions parfois de jouer ensemble sur des échanges de joueurs. Parfois ça se fait, parfois ça se fait pas. Ça fait du bruit, ça fait pas de bruit. Mais je considère vraiment que les équipes sont pas en concurrence. Nos équipes sont concurrentes. Parfois sur scène. Et c'est là que la compétition se joue, pas à mon niveau. À mon niveau, on est partenaire à essayer de grandir une nouvelle industrie, un nouveau type de sport. Et on a besoin de KC, on a besoin d'Ibai, on a besoin de Kedrel, on a besoin de Vitality. Tous forts, tous créant de nouvelles idées, de nouvelles aventures, de nouvelles expériences pour que notre sport gagne à la fin. La relation entre les équipes et les éditeurs, elle était très, très, très disproportionnée, mal balancée. Pardon, je cherche le mot en français, malheureusement. Et je pense que ça s'améliore. Encore une fois, il y a 10 ans, moi j'ai commencé l'e-sport en 2012. J'étais Coca-Cola, qui était un sponsor. Et je suis devenu sponsor de Riot. C'est mon histoire. C'est le All-Star Game au Zénith. C'était mon premier événement avec Reckless, qui est venu sur notre stand, et depuis je suis en contact avec lui depuis le temps. Après j'ai rejoint Riot, on a lancé la LEC, on a lancé Valorant, après j'ai rejoint G2. Mon parcours me permet
très sereinement de dire c'est mieux maintenant. On a tous appris à bosser ensemble, on a tous appris à collaborer. Moi, je traite Riot comme un partenaire, mais à titre que les marques qui nous sponsorisent, Riot nous permet d'exister et on essaie ensemble, avec parfois des discussions où on n'est pas d'accord, à trouver les meilleures solutions pour avancer ensemble. Merci beaucoup Alban, et pour terminer, j'avais un peu des dossiers un peu plus chauds. J'espère que tu vas pouvoir y répondre et tu vas te manier un peu une perche tout à l'heure avec les échanges cassés G2. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Avec la grosse rumeur avec laquelle forcément beaucoup, enfin toute la scène française a réagi. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as vécu de manière zen ou si t'as pas un peu fait, on va dire, rire jaune parce qu'il y avait quand même sûrement un peu de faux et dans la rumeur? Moi, ça m'a fait marrer parce que quand je me réveille le dimanche matin et que j'ai 350 000 vues sur un like ou sur un tweet, moi, je suis pas quelqu'un de public, c'est plutôt surprenant pour moi, tu vois. Non, je vais répondre généralement, parce que je pense pas que ce serait normal pour moi de commenter sur un joueur d'une autre équipe. G2, on veut gagner. Dans tous les jeux, on va toujours être à l'écoute et à la recherche des meilleurs joueurs pour nous rejoindre. Certains sont sous contrat. S'ils sont sous contrat, on travaille avec l'équipe. Il faut que le joueur et l'équipe acceptent la discussion pour que l'échange ait lieu. Si le joueur veut venir et que l'équipe ne veut pas, quoi qu'il arrive jusqu'au dernier jour de son contrat, on ne pourra pas avoir le joueur. Le premier jour, à la fin de son contrat, ce sera une discussion entre le joueur et nous. Donc, si je prends l'exemple de Jogomo, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur League of Legends, on est sur Valorant. Ça fait un an que j'appelle le CEO de Evil Geniuses en lui disant « Laissez-le partir. C'est un champion du monde, c'est un super garçon, c'est le complément idéal de mon équipe de Valorant, qui est très structurée, très organisée, mais qui manque un peu d'un chien fou dueliste pour faire cette équipe la meilleure du monde. Laissez-le partir. » On a fait des offres raisonnables, on a fait des offres déraisonnables, et Evil Geniuses, jusqu'à 2 mois avant la fin de son contrat, nous a dit il partira pas. 24 heures après la fin de son contrat, il annonçait sa signature chez G2. Et je pense que c'est la réalité. T'as un joueur sous contrat, il n'y a rien à faire, à moins que ce soit avantageux pour toutes les parties. Le jour où le joueur est plus sous contrat, c'est une discussion de projet sportif, compensation financière évidemment, et attractivité de l'organisation. Sur ces trois dimensions-là, fréquemment G2 est bien placé. C'est pour ça qu'on est en permanence à écouter le marché, à réfléchir. Moi, sur tous mes rosters, tous les 3 mois, j'ai un point avec le staff et le management sur quelles sont les opportunités pour améliorer l'équipe. Pas en off-season. Tous les rosters, tous les jeux, toutes les positions. Et on est toujours prêt à bouger. Parce que c'est la seule manière de ne pas faire de mauvaises affaires, de ne pas être surpris par un joueur qui a un gap de performance. Et surtout, il y a des joueurs qui peuvent partir ailleurs des fois. Donc nous, on essaie d'être prêt et d'anticiper. Et s'il y a un jeune talent qui commence à percer, on va échanger. Si ça ne se fait pas maintenant, peut-être ça se fera un jour. Je ne sais pas si tu as pu parler peut-être à un joueur comme Ansama, mais est-ce que tu sais comment il a vécu cette rumeur? Parce que forcément, ça a donné l'impression qu'il n'était pas forcément désiré. Ou est-ce que vous avez réussi à gérer ça en interne, ou est-ce que lui, il a juste lu ça sans y réfléchir? Alors, Ansama, je ne vais pas parler personnellement parce qu'il est en vacances. J'essaie d'être respectueux des vacances des joueurs parce que sur un jeu comme League of Legends qui est un marathon de 11 mois d'entraînement, si en plus je les dérange pendant les 15 jours où ils sont un peu off, je pense que c'est pas très malin de ma part. Le connaissant, un, il ne regarde pas les réseaux sociaux, ce qui sait que ça peut l'influencer négativement et j'encourage tous les joueurs à faire comme lui. Deux, il a une grosse confiance en lui. Et je pense que s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va être très motivé pour jouer contre des joueurs de sa position l'année prochaine en LEC pour remettre l'église au milieu du village en termes de qui est le meilleur ADC de la ligue et qui aujourd'hui est capable d'emmener G2 le plus loin possible au World. Bah, je pense que c'était plutôt clair sur ce dossier-là. Le prochain dossier, forcément, c'est sur CS, avec Nico qui va bientôt partir. Est-ce que ça a peut-être... comment vous avez géré un peu la perte, on va dire, sportive de ce joueur? Et surtout aussi, est-ce qu'il y a aussi des impacts au niveau économique par rapport aux sponsors, quand c'est quand même un top joueur au niveau monde? Là, on est dans la position inverse.
il y a une organisation qui vient nous voir et qui dit on est très intéressé par votre joueur. Si on avait voulu garder Nico, parce qu'il a encore plusieurs années de contrat, on aurait pu le faire. Donc, si on l'a fait, c'est qu'on considère que c'est un moment, peut-être un montant, peut-être une phase pour ces rosters, où c'est la bonne décision. Mais le fait qu'on ait signé Malps en juillet, alors qu'il joue historiquement les mêmes positions que Nico, peut-être que c'est un peu anticiper la suite. Et peut-être qu'on est déjà en train de travailler sur qui remplacera Malps dans sa position de anchor et que Malps pourrait naviguer dans les positions que Nico va laisser en fin décembre. Donc, je pense pour nous, la clé, c'est l'anticipation. Les marques, souvent, sont partenaires de G2 en tant qu'organisation, pas d'un roster dans un jeu pour un joueur. On a la chance d'avoir des stars dans chacun des joueurs, des capitaines dans chacun des rosters, d'avoir des prodiges dans beaucoup de rosters. Et donc, du coup, ils viennent chez nous pour ça, pas uniquement pour un joueur. Et voilà, mon boss a marqué Monesi en rouge dans ma fiche de préparation. C'est vrai que parmi les fans, il y avait beaucoup de gens qui voyaient Monesi et Nico un peu un destin plutôt lié. Est-ce que c'est possible de perdre les deux? Ou est-ce que tu peux rassurer un peu les fans pour dire, si Nico part, Monesi va dans tous les cas rester? Ouais. Dans tous les cas, Monesi a encore un contrat de plus d'un an, donc on est dans une position de décision. C'est-à-dire que pour qu'il parte, il faudra que nous, on l'accepte. Moi, je pense qu'Ilia a une relation vraiment particulière avec Nico. Ça a été son mentor, c'est quelqu'un qu'il admire beaucoup, qui l'aide beaucoup aussi dans son développement de carrière. Mais aujourd'hui, c'est un joueur aussi qui est le meilleur joueur au monde et qui a une opportunité de devenir un leader du roster à part entière. Donc, on travaille sur ce que sera le roster des G2CS à l'avenir. Et pour nous, Ilia est au cœur du projet. Et dans ma liste, dernier dossier chaud, c'était par rapport au salary cap qui nous touche beaucoup en tant que Français. Parce que il y a des rumeurs comme quoi il arriverait en LFL. Il faut demander à Webedia, là, ils sont là. Je demanderai après. Tu connais Webedia, non? Je connais un peu, normalement. Mais du coup, est-ce que en tant que CEO, le salary cap, c'est une bonne chose? Et est-ce que c'est une bonne chose sur tous les e-sports ou il y a vraiment au cas par cas selon les scènes? Alors, il n'y a pas de salary cap en LEC. Il y a une régulation qui fait qu'on est motivé par l'organisateur à pas dépenser plus qu'à un certain niveau. Il n'y a rien qui nous empêche de dépenser plus. Mais si on dépense plus, il faudra payer une taxe qui ira dans les poches de nos compétiteurs. Moi, j'ai pas l'habitude de vouloir donner de l'argent à Fnatic et K-Corp, donc on va essayer d'éviter. Ça a été un modèle qui a été introduit avec une transition. Moi, j'ai très très clair, hein, les salaires qu'on a payés à ces rosters les deux dernières années sont largement supérieurs au niveau de salaire maximum que Riot propose pour les années à venir. Et en fait, il y avait une liberté de ce qu'on appelle d'héritage qui fait que les contrats existants, le modèle ne s'appliquait pas. Tous les joueurs qu'on signe à partir de maintenant vont devoir rentrer dans cette enveloppe. Moi, je trouve ça, d'un point de vue équilibre budgétaire, très, très, très sain, parce que le risque historique, c'était que quelqu'un paye plus que toi. Donc, il y avait une sorte un peu de course à l'échalote. Tout le monde rajoutait plus et puis on se retrouvait à des niveaux qui n'étaient pas raisonnables pour essayer juste de garder le niveau de compétitif. En baissant, en créant un seuil maximum, ça a permis à toutes les équipes d'avoir un équilibre plus proche entre leurs dépenses et leurs recettes. Donc moi, je pense que c'est positif. Ça n'empêche pas la compétition puisque tout le monde maintenant joue avec à peu près la même enveloppe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la différence d'un choix d'un joueur, c'est plus forcément le salaire, c'est qui le coach. C'est qui les autres joueurs? C'est quoi le programme? C'est quoi le projet? Alors moi, j'ai Dylan, j'ai Romain, j'ai Rodrigo, j'ai Isma. J'ai une facilité qu'on a construite sur mesure pour League of Legends. Où en fait, quand les joueurs rentrent dans leur salle d'entraînement, on a créé une scène qui fait la même taille et la même hauteur de marche que la scène de Riot. Donc on est assez loin dans la recherche de performance. Et c'est vrai qu'on pense que ce seuil de dépenses équilibré entre les équipes va favoriser les équipes qui investissent pas uniquement sur les salaires, mais vraiment sur le projet global sportif. Et pour finir, j'aimerais parler aussi un peu de la scène féminine, parce qu'on a pu voir G2 Gozen qui a joué, G2 L aussi qui a joué à la PJW. Ouais. Moi, j'étais venu pour mon deuxième trophée aujourd'hui, là. Faut que j'attende encore un peu, là, qu'on revienne le reverse sweep, là. Mais du coup, est-ce que ta structure a vocation à pousser toujours plus loin
cette place des femmes dans l'e-sport? Alors moi, je pense que en tant qu'industrie, on a échoué. On a 50% des joueurs dans le monde, si tu combines toutes les plateformes, tous les jeux, qui sont des joueuses. Et si tu vas sur scène des Worlds, du Major, de Champions, il n'y a pas une nana. Donc on passe de 50% en bas de la pyramide à 0% en haut. En tant qu'industrie, on a failli. Donc, est-ce que G2 peut changer ça? Pas tout seul. Mais on a une conviction chez G2 qu'on doit contribuer à ça. Et donc, il y a 3 ans, quand on a créé la première équipe Gozen, on a eu une ambition très forte de proposer les meilleures ressources possibles en fonction de ce que génère l'écosystème, mais pour amener des joueuses qui le méritent par leur niveau, par leur motivation, au plus haut niveau de performance, en termes de bootcamp, en termes de sélection des joueuses, en termes d'accompagnement de staff et en termes d'exigence. Gozen, c'est un projet qui est ultra successful avec beaucoup, beaucoup de trophées. Mais ce que les gens oublient de voir, c'est que c'est aussi un projet qui est ultra exigeant. On n'a pas eu peur de changer les joueuses qui ne jouaient pas le jeu, ne se mettaient pas au niveau d'entraînement qu'une Mimi, qu'une Petra attendent pour être dans Gozen. Et ça nous a permis, pour moi, 2 choses. 1, de montrer à tout le monde que ça existe, que c'est possible. Quand on a fait la finale de Champions à Berlin, c'est pour moi un des plus beaux moments d'e-sport depuis que je suis chez G2, parce qu'on a prouvé que c'était spectaculaire, engageant, performant, et que tout le monde veut en voir plus, quoi. Et la deuxième chose, c'est que ça a inspiré la prochaine génération de joueuses. Là, aujourd'hui, on a une équipe avec dedans, on avait Marie, maintenant on a Vania, qui sont des joueuses très jeunes, qui ont quasiment commencé leur carrière au moment de Gozen, et qui ont commencé leur carrière en regardant des Giuliano, des Petra, des Mimi, et en se disant, si elles le font, je peux le faire. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est stimuler les synergies entre nos rosters masculins et les rosters féminins. Nous, on le faisait chez G2, mais avoir un événement comme Spotlight, c'est une nouvelle étape pour permettre de briser les barrières culturelles, pour que plus jamais il y ait un joueur VCT ou VCL, ou un coach qui dise « je suis pas sûr que ça irait bien s'il y avait une joueuse dans l'équipe ». S'ils se rendent compte qu'à chaque scrim, ils seront cassés le cul par les joueuses, je peux dire qu'ils vont avoir envie de jouer avec elles. Et donc nous, on essaie de stimuler ça, et je pense que Riot le fait aussi, jusqu'au moment où, pour moi, c'est la définition de Game Changer. L'écosystème Game Changer, c'est jusqu'au jour où on n'en aura plus besoin. Aujourd'hui, on en est très loin. Moi, j'ai un projet personnel, je travaille sur un truc qui s'appelle les Jeux Olympiques de l'e-sport. Je suis conseiller du CIO pour ce projet. Et en fait, la vision qu'on a, c'est des tournois d'équipe nationale 50-50. Il a fallu 120 ans pour que les Jeux Olympiques d'été aient autant d'athlètes féminins que d'athlètes masculins. Les Jeux de Paris étaient la première fois en 120 ans qu'on avait des quotas 50-50. Notre ambition pour les Jeux Olympiques de l'e-sport l'année prochaine, c'est qu'il y ait 50% de joueurs qui seront des joueuses. Et pour moi, c'est une nouvelle étape dans la bonne direction. Plus on créera des scènes comme ça avec tous les fans de la Paris Games Week qui viennent regarder ces tournois, plus on rendra possible dans l'esprit des gens qu'en solo queue, qu'en scrim, qu'en bootcamp, qu'en gaming house, ils disent « bah ouais, c'est le meilleur joueur, c'est une joueuse, mais c'est le meilleur joueur ». Pour moi, ça prêtera peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais G2, on sera toujours là à pousser pour les joueuses, pour les staffs. On a créé une académie avec Mastercard pour que les jobs qui ne sont pas sur scène, content, admin, commercial, on ait aussi une diversité à ce niveau-là. Et on essaie de pousser au maximum parce que nous, ça fait partie de notre ADN. On a 26 nationalités chez G2. On a 3 execs qui sont aussi mixtes. On a autant de heads féminins que masculins. Nous, on le vit au quotidien. On essaie de ce qui se passe à l'intérieur, que ça se voit à l'extérieur. Du coup, j'imagine que les tournois comme on a, les Spotlight Series, qui sont totalement mixtes, c'est quelque chose que tu aimerais pousser encore plus. En vrai, c'est simple. Hein. Ce n'était pas un choix. Si tu demandes au staff de Gozen, ils me disent est-ce qu'on est obligé de le faire ? On préférait se préparer pour Champions. Si je demande au staff de Brozen, c'est le nom qu'on a donné à l'équipe masculine, ils me disent, c'est la off-season, après qu'on se repose, qu'on prépare les drafts et tout. J'aurais pas laissé le choix. Ces 2 tournois, celui en Europe, on a fait voyager 3 joueurs masculins et le coach.
et le tournoi en décembre qui a lieu à LA, on fait voyager deux joueuses. C'est au-delà du sport. C'est au-delà de la performance. C'est au-delà des performances de ces deux rosters. C'est un moment unique pour faire partie de l'histoire. Parce que pour moi, ces deux tournois-là qui sont vraiment le plus haut niveau de Valorant, première fois vraiment mixte, avec une scène qui est pour moi la vision du futur. Pour la première fois, on a cette image qui va influencer la perception, les comportements des joueurs in-game, avec tout le harassement et le problème culturel qu'on a aujourd'hui, pour le futur. Merci beaucoup Alban, je pense qu'on a évoqué tous les sujets que je voulais évoquer. Donc merci d'avoir joué le jeu et bon courage pour la suite. Merci.